Salut, moi c'est Richard. Salut, moi c'est Franck et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur One Day One Travel. Et on est aujourd'hui en Bretagne. Et on découvre un nouveau coin de France qu'on n'avait jamais exploré avant, le Finistère Sud. Et on trouvait ça vraiment sympa après notre voyage au Canada et au Nouveau-Brunswick, qui se situe vraiment de l'autre côté de l'Atlantique d'ici, de venir découvrir une région sœur jumelle justement du Nouveau-Brunswick. Et on va en profiter pour tester trois hébergements avec le site millevista.com, qui est un site qui permet en fait d'avoir des établissements avec des très belles vues, que ce soit des villas, des hôtels ou même des restaurants. Donc on va aller voir tout ça. Et on t'emmène bien sûr avec nous. Allez, c'est parti. Première pause, premier coup de cœur, la plage de la Torche, c'est vraiment fantastique. Là, on est sur une presqu'île qui sépare deux belles plages. Et vous voyez derrière moi les vagues, c'est un spot de surfeur, de kitesurfer. C'est très nature, on sent qu'on va se plaire ici. Bon voilà, après juste une demi-heure depuis la plage de tout à l'heure, vous voyez, le temps a changé. C'est la Bretagne, hein, comme on dit ici, il fait beau plusieurs fois par jour. Là, on a atteint du coup le phare Tecmoun. Vous voyez derrière moi un énorme phare impressionnant. Ça nous change des phares du Nouveau-Brunswick qui étaient eux colorés mais beaucoup plus petits. Là, vraiment, on prend un grand bol d'air. Et on va maintenant se diriger gentiment vers notre hôtel, le manoir de Kerwell. Vous me suivez ? Et bien sûr, l'intérêt du manoir, c'est son écrin de verdure. Et la chambre, bien sûr, a une vue magnifique sur l'extérieur et sur la nature environnante. Deuxième jour de ce road trip en Bretagne dans le Finistère Sud. On a quitté ce matin le manoir de Kerwell sous une pluie battante. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait trop d'images. On se retrouve ce midi à Concarneau. Là, c'est la ville close de Concarneau. Un petit Saint-Malo, c'est super mignon. C'est la première fois qu'on vient là. Et ce matin, depuis le manoir, on est passé notamment par l'île de Tudy, T-U-D-Y, et aussi Fouesnant. Fouesnant, ouais. Fouesnant. En attendant, on va manger un petit bout à Concarneau. Et on va rejoindre du coup ce soir notre nouvel hébergement. Oui, le manoir de Dalmore. Et cette fois-ci, on va avoir une vue sur la mer. Allez, on se retrouve là-bas. On y va. Bon, bah voilà, il y a beaucoup plu toute la journée, donc on a rejoint notre manoir pour la nuit, le manoir de Dalmore. On est face à une merveilleuse plage. Là, on est dans un coin vraiment très tranquille du Finistère Sud. Bah, là, la vue est vraiment incroyable. On a l'impression d'être au bout du monde, un peu des côtes de, je sais pas, d'Irlande. C'est vraiment sympa. Bon, là, c'est avec la pluie, donc c'est sympa, mais ça pourrait être mieux. Et justement, demain, le soleil est prévu. Ouais. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va croiser les doigts très fort et puis on se dit à demain pour vous présenter cet endroit d'exception sous le soleil. Troisième jour en Finistère, on est toujours au manoir Dalmore. Et ce matin, on se fait plaisir, on prend le petit déjeuner au lit. Et là, dans deux minutes, on va vous montrer que le soleil est en train de se lever. C'est magnifique. Non, non, c'est pas une blague. Du coup, on va aller prendre des plans dehors et vous montrer à quel point ce lieu est magnifique. Bon, vous avez pas menti, hein, le ciel est bleu, il fait super beau, comme quoi la Bretagne, le temps change très vite, mais là c'est vrai que du coup ça donne vraiment un autre aspect. C'est super beau ce matin, là, on voit le manoir derrière nous, les petites cabanes de plage. Là, on va profiter du soleil pour faire des beaux plans et des belles visites aujourd'hui dans les alentours. Là, on est à l'anse de Rospico, un superbe lieu naturel pour commencer la journée du bon pied. Et vous savez quoi? Ensuite, on va aller sur la plage de Tahiti. Ça promet. Allez, vous me suivez?
passer dans le coin, il y a bien sûr la côte qui est magnifique, mais il ne faut pas non plus oublier les petits villages typiques comme ici, Kiraskoet, qui est en fait un petit hameau de chaumière. C'est vraiment magnifique, hein, on fait vraiment comme une plongée dans le temps. On va faire une petite balade dans le village. Bienvenue à la plage de Tahiti. Et oui, on trouve même Tahiti en Bretagne. Vraiment magnifique. En plus, là, début septembre, la plage est à nous. Et tous les spots hein, qu'on vous présente, hein, tous les lieux, sont vraiment très très proches de Neve, hein, pas loin du manoir d'El Moré où on a dormi cette nuit. C'est vraiment un coin qu'on adore, qu'on vous recommande. Là, je pense qu'on va profiter de la plage quelques temps. Le soleil est là, on recharge les batteries. On se retrouve à Quimperlé, le temps d'une petite pause. Là, on est vraiment agréablement surpris par la ville. Là, on est au cœur de la vieille ville. C'est plein de magnifiques bâtiments, des monuments architecturaux, des hôtels particuliers, des maisons à colombages qu'on peut voir au-dessus. C'est vraiment charmant. Et puis ensuite, en direction, le troisième manoir, troisième adresse qu'on vous propose dans cette série de vlogs. Et nous voici arrivés au troisième hébergement que l'on teste en ce moment dans le Finistère Sud avec Mille Vista. On arrive au Moulin du Duc. Alors là, plus que la vue, c'est vraiment le cadre qui est somptueux. On est au cœur d'un domaine de plus de 20 hectares. Comme vous voyez là, on est vraiment dans un décor impressionniste. Alors après le manoir de Delmore de ce matin avec ses allures de belle époque, là on change d'époque justement. Et alors les Moulins du Duc, pourquoi? Parce qu'il y a deux moulins ici. L'un qui est en fait animé grâce à la puissance de l'eau et de la retenue d'eau qui est juste ici. Et le deuxième grâce aux marées. On appelle ça un moulin de mer. Alors, il n'est plus tellement en activité aujourd'hui parce que les marées sont un peu moins fortes, donc il faut des gros coefficients. Mais sinon, il est toujours en activité. Donc c'est un lieu chargé d'histoire. Voilà, on y passerait vraiment des heures. On peut se balader dans tout le domaine. C'est très champêtre et très très agréable. Et voilà, c'est le lendemain matin, vous avez vu, il fait toujours beau en Bretagne. Bon, on voulait vous dire avant de conclure cette vidéo qu'on a testé la table Le Raphaël, hein, le restaurant en fait du domaine qui est vraiment excellent, on vous le recommande. Ouais, mais bon, toute bonne chose a une fin, donc c'est la fin de ce road trip. Tu peux continuer à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, de Facebook à Snapchat, en passant par Twitter ou encore Instagram. Et tu peux retrouver toutes les infos pratiques sur notre blog Voyage, onedayonetravel.com. Et puis si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et des commentaires. Hein, ça nous permet de rester en contact et de progresser aussi. Hein. Tes avis sont vraiment importants à nos yeux. Et si ce n'est pas déjà fait, on t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochains épisodes. Alors on te dit à très vite. Allez, ciao.